Bonjour à tous, chers compatriotes. Nous allons aborder un sujet extrêmement difficile. Vous avez lu le titre et ça va aller euh, très fort. Donc, le titre du live, le live qui est là, le titre c'est Pourquoi le dialogue est difficile entre la dictature, l'opposition et la société civile. Vous savez que notre pays est en crise. Il y a une grosse crise. Hein. On n'a pas besoin de, de passer midi à 14 heures. Un, on n'a plus de président de la République au Gabon. Deux, le fait qu'il n'y ait plus de président de la République au Gabon entraîne le résultat. Du manque de président de la République au Gabon, c'est que la dictature est en train de, de manger ses propres enfants. Il y a des ministres qui sont emprisonnés, qu'on est en train de violer sexuellement dans les prisons. Bon, toutes ces choses-là démontrent que il n'y a pas de président de la République au Gabon. Il y a une crise. Tout ça, ça démontre que le Gabon est en situation de crise. Les, la dictature essaie de, de cacher, mais vous savez, hein, on peut cacher la grossesse, mais on ne cache pas l'accouchement de l'enfant. Donc, nous allons. Je vais vous donner mon humble avis hein, sur les raisons pour lesquelles le dialogue, un dialogue. Pourquoi je parle de dialogue C'est parce que vous savez, vous êtes sans ignorer qu'en ce moment au Gabon, il y a l'Europe, l'Union européenne qui est là-bas. Qui est en train de parler, qui rencontre successivement les membres de l'opposition, le pouvoir, certainement la société civile. Vous avez vu des, des, des hommes politiques français débarquer il n'y a pas longtemps là, qui sont venus au Gabon pour rencontrer, qui ont rencontré l'opposition et certains membres du pouvoir. Vous avez vu, vous voyez tout ça là se passer devant vous. Et ce qui me revient, il me revient que tout cela risque de se terminer par un dialogue. Bon, l'objectif du lave, bien entendu, c'est de dire, parce que je sais que les militants sont en train de regarder. La dictature regarde. Moi, je vais vous dire pourquoi le dialogue est difficile dans le cas d'espèces actuellement. Mais avant, avant de, de rentrer dans le vif du sujet, mes frères, j'ai deux important à aborder avec vous tous des points que j'estime euh, assez il euh, y ya un des points un des deux points qui est un point vital d'ailleurs j'ai été contacté j'ai été contacté hier par une haute personnalité gabonaise qui vit en Chine moi, Nandon, j'ai été contacté, qui m'a interpellé par rapport au cas de nos étudiants. Moi, je ne le savais pas. Il paraît, il paraît que nous avons de nombreux étudiants actuellement en Chine. Le Gabon a envoyé de nombreux étudiants en Chine. Et d'après ce que j'ai entendu, je vais rentrer d'ailleurs dans les prochains jours. Euh, je, vais, je vais contacter certaines, certaines autres autorités. Hein, je vais appeler certains membres de l'ambassade. Je vais les appeler pour, leur, pour avoir beaucoup plus d'informations là-dessus. Il paraît que la majorité des étudiants gabonais vivent là où il y a le virus, le virus que, de pneumonie qu'on appelle en Corona. Un virus. Vous savez que la, la Chine est frappée depuis décembre 2019 par un virus qui se transmet d'un homme à un autre homme. Transmission interhumaine. Donc, là-bas, il y a le virus un corona qui, qui bastille et qui tue. C'est comme ça que l'Afrique, les, les, les chefs d'État africains, N'ont pas su protéger l'Afrique, les Africains, quand le sida a commencé. On a parlé du sida aux États-Unis, je me rappelle, dans les années 80. 80, par là. On n'a pas su protéger les Africains. Aujourd'hui, le continent qui est le plus touché par cette histoire de sida-là, c'est le continent africain. Voilà qu'on couronna. On couronna est arrivé. Coronavirus, on commence déjà à. à, à a accusé que c'est le pangolais qui amène Nkuruna. Alors qu'on a commencé en Chine. Maintenant, on commence à dire que c'est le, le pangolais. Or, moi, on m'interpelle que la majorité des étudiants gabonais qui... Vous avez vu le gouvernement gabonais aller en Chine plusieurs fois aller signer des contrats pour envoyer les étudiants pour les bourses. Alors, nos étudiants habitent dans le, la ville où le, 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 le virus Nkuruna et a commencé. La ville qu'on appelle Ouan, Maou, Ouan. Ouan, enfant, veut dire la mort. Quand on dit chez nous qu'à Ouan, c'est là-bas que le virus est né. Vous allez signer des contrats au lieu d'envoyer les, 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 les Gabonais dans d'autres villes. Vous envoyez dans une ville qui a un nom qui est dangereux comme ça, Aouan. Voilà maintenant que les gens... Et, et aujourd'hui, vous qui êtes au Gabon, je ne sais pas, hein, est-ce que les voyous qui sont au pouvoir là, Bon, puisqu'il est ministre de les, des Affaires étrangères, on lui a porté plainte, il paraît qu'il escroque une femme qui est beaucoup belle là, en ce moment en Libreville. Est-ce que bonne vous a dit ce que le gouvernement compte faire pour le rapatriement, pour la protection de nos frères qui sont étudiants en Chine dans la ville de Wuhan? Il faut qu'on nous dise. Parce qu'il y a le virus Nkuruna. Il y a le virus Nkuruna. Les gens ne font que mourir. La Chine a déjà décrété l'état d'urgence depuis le 30 janvier. L'état d'urgence. Maintenant, qui protège nos ressortissants Parce que de nombreux étudiants, parce que Mine et voilà, vous pensez que c'est un jeu. Après, quand les étudiants là vont rentrer déjà à l'aéroport, c'est n'importe quoi. Et ils surveillent seulement l'entrée des résistants. Ça veut dire que si nous, on arrive là-bas, eux ils ne cherchent même pas à savoir que toi, tu viens de. Est-ce que tu viens de Chine Les enfants, là, vont rentrer avec... On n'a même pas un dispositif. Rien. Aucune mesure. Aucune mesure pour savoir. Parce qu'il y en a qui vont arriver là. Bientôt, les grandes vacances. Parce que vous êtes en train de prendre ça comme un jeu. Vous-là, même vous qui vivez en France, vous allez bientôt partir en France, au Gabon. Vous allez vous retrouver en boîte de nuit, au VIP, en train de danser. Vous êtes dragué par quelqu'un qui était en Chine, qui a le, le Nkuruna. Je ne suis pas en train de dire que tous les Gabonais qui sont en Chine ont le Nkuruna virus. Je dis que, non. quelles sont les mesures prises par le gouvernement gabonais par rapport à cette affaire de Nkuruna virus-là, que les enfants sont dans la ville ou la plus infectée de la planète de corona. C'est la question que moi je pose. Il y a, il y a, il y a des années, c'était d'abord sida. Un à faire à faire Nos enfants sont là-bas en Chine. Un virus. Parce que vous jouez. Vous pensez que moi, je suis en train de jouer. Moi, je ne rigole pas avec ça. Les gens viennent, les étudiants gabonais, ils vont rentrer là. Certains ont terminé les études. Ils vont aller travailler à la Ils vont aller travailler à la SEG. Ils vont un coronavirus dans le corps. Dès que sont infectés à Libreville, à Mana. Ils vont vivre à Nauhokon. Ça va être dangereux, surtout au Gabon. On n'a plus, plus de président. président, président on a plus le président Abva. On n'a plus de président. Bon, un pays qui va avoir un problème, l'épidémie Nkuruna. Nkuruna vient à Chuzal. Vous vous soignez comment, vous qui êtes au Gabon Vous qui êtes en France, parce que j'entends, je, j'ai parlé avec certains Gabonais qui sont ici, ils me disent, oh non, messieurs, nous ne sommes pas concernés, nous on vit en France. Alors que la personne qui te dit, je ne suis pas concerné, a l'intention. J'ai entendu des Gabonais dire, oh je m'en vais au Gabon en mars, je m'en vais au Gabon en juin. Dès que juin est venu, je prends mes enfants à Közal. et bon ben Bennebe, eh, eh, Chine. a Kenyidzal, Corona. Tu vas te soigner comme à Mikoko, peut-être marcher, ou bien sans gel, puisque les Gabonais ne coûtent pas cette histoire de sans là Ils continuent d'aller à sans Quand Kuruna va vous attraper là-bas, vous allez expliquer ça comment à qui. De nombreux pays sont en train de prendre des dispositions de, pour de rapatriement de leurs ressortissants. Hein? Sauf le Gabon. De nombreux pays prennent des mesures de rapatriement. Nous, on est là. Les gens sont encore à Ouan. Les Gabonais vont gagner à Ouan. Maintenant, on va interdire aux Gabonais de manger le pangolin. Donc, j'interpelle les autorités gabonaises. Je sais que vous vous en foutez. Ce qui vous préoccupe en ce moment, c'est voir comment euh, 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 violer sexuellement les autres que vous n'avez pas encore violés là. Pendant ce temps, les Gabonais, ont coronavirus a tué. Parce que vous avez vos enfants qui fréquentent le quartiers, qui ont des petites dans les bas-fonds. Quand vos enfants vont arriver au bas-fond, vont attraper un corona. Ou bien vous, vous aimez aller à l'aéroport, parce que vous aimez aller au, au, au VIP, au, au cactus, partout, partout, là où, là où on se. Dans un couruna, on n'a même pas besoin de se saluer. Vous avez vu comment les Chinois se baladent avec les masques de Zoro. Bon, vous, vous n'avez pas les masques là au Gabon. Vous allez faire comment c'est comme ça qu'on avait négligé le sida quand ça commençait aux États-Unis. Voilà, le sida est maintenant beaucoup chez nous. Là, vous négligez un corona Personne ne parle. C'est la fièvre. Un corona n'a pas besoin que que Non, un corona c'est la fièvre. Dès que tu as dit bonjour, Amana, au nom à corona oh dès que tu parles avec, à côté de lui, c'est-à-dire que dès que quelqu'un vient te draguer, il arrive seulement à côté. Moins d'un mètre, Amana, un corona tu as. Transmission interhumaine. Donc, mon tout le monde est exposé, bien entendu. Mourassa Alvalan est exposé, tout le monde sera exposé. Moi, je vous ai déjà dit, j'ai été contacté par la Chine, sinon je n'allais pas parler de ça. Mais ce sont les ressortissants gabonais de la Chine qui m'ont dit Messieurs, s'il te plaît, interpelle le gouvernement, parce que nous avons essayé, il ne coûte pas. C'est pourquoi moi je viens vers le gouvernement. Donc, les ministres qui viennent avec les, les fake compte, avec les faux comptes pour venir me regarder là. Si vous ne parlez pas de la l'affaire là en conseil des ministres, vous allez être infecté par l'onkuruna. Et tant pis pour vous. Comme vous volez l'argent, vous pensez qu'on peut tout vous soigner. Bon, on ça ne me regarde pas. En tout cas, moi, j'ai passé le message tel qu'il me l'a demandé. Je, je le répète, dans les prochains jours, je vais rentrer en contact avec l'ambassade du Gabon en Chine pour leur poser exactement les questions, venir avec des, des chiffres. Donc, je reviendrai vers vous avec des chiffres détaillés sur cette affaire de Nkuruna en Chine avec le, nos, nos ressortissants. Mais il y en a mais où Bon, j'en ai terminé. Bon, je passe à la seconde... Excusez, il y a un, un point qui s'est ajouté, hein. Euh, un autre point qui est important. J'ai été contacté par une fille, une jeune Gabonaise. Ali Bongo, avant de mourir, nous a, a avec son, son gouvernement là, ils ont conçu, ils ont terminé un chemin, une route qui relie Libreville, qui relie Port-Gentil à Omboué. Il y a un, une route. Bon. La route là traverse la forêt. La route qu'ils ont con... écoutez Écoutez, oh moi je vous, pose, je vous explique. Ils ont conçu une route qui part de Port Gentil, le Goué Maritime, jusqu'à Omboué. Maintenant, les gens peuvent faire ça en route. Le problème avec cette route là, vous avez vu, nous ici, on vit en Europe. Hein, quand on fait l'autoroute et que l'autoroute traverse les forêts et on va vite, il faut protéger les routes. Les gens qui qui conduisent à vive allure. C'est-à-dire que il faut mettre des barrières pour que les animaux sauvages ne traversent pas la nuit ou la journée. Pourquoi j'en parle Il y a, depuis trois semaines, eu des accidents mortels. Il y a eu des accidents mortels sur ce tronçon-là. Il y a un pick-up plein de personnes qui a tamponné un éléphant. À Port-Gentil, il y a les morts. Celui qui doute, appelez la, la mairie d'Omboué. Il paraît que les morts sont allés là-bas. On a amené les morts à Omboué. Ça fait déjà trois fois que les voitures tamponnent les éléphants la nuit. Il y a un blanc qui est propriétaire de la forêt. Nous, on vous a déjà dit que nous, on mange la viande. Il y a surpopulation des éléphants libres au Gabon. Il faut manger les éléphants. On ne peut pas laisser les éléphants devenir plus nombreux que nous, les hommes. Vous ne pouvez pas interdire que nous, on mange l'éléphant et vous n'éduquez vous ne, vous ne, vous ne, vous pas les éléphants pour que les éléphants ne traversent pas la route la nuit. Parce que l'éléphant qui a tamponné la voiture, non, la voiture qui a tamponné l'éléphant, les gens sont morts, l'éléphant est parti. L'éléphant a eu seulement quelques égratignures, un zone à faler. Mais les gens sont morts. On ne fait que tamponner les éléphants au Gabon. Mais les éléphants ne meurent pas, c'est les hommes qui meurent. Moi, je n'ai jamais compris que la vie d'une viande va être plus importante que la vie d'un être humain. Pourquoi Parce que vous mettez un, un anglais ministre de la forêt. Laissez-nous manger nos viandes. On n'a pas les problème avec quelqu'un. L'homme gabonais a toujours mangé la viande. Nous, on mange l'éléphant. On ne fait pas le trafic d'ivoire. On ne connaît pas ça. On ne connaît pas le trafic d'ivoire. Ce sont les blancs qui ont amené ça avec les gens qui, sont, qui travaillent avec eux. Nous, on a toujours tué l'éléphant pour manger. On nourrit la, 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 le village avec l'éléphant. L'éléphant, la chair de l'éléphant, c'est bon. La trompe, l'oreille. La trompe de l'éléphant, je ne sais pas s'il y a une viande qui est bonne comme ça. Donc, laisser les gens. Les éléphants, maintenant, traversent les routes. Au lieu de les traverser, regardez à gauche, à droite, l'éléphant se met en route au milieu. Les gens tamponnent. Il y a eu le, et et la, la, la petite qui m'a appelé a perdu les parents là, dans l'accident. C'est pourquoi moi j'en parle. J'ai voulu vous jouer son audio parce qu'elle fait, elle m'a envoyé l'audio, elle pleurait. Euh, je ne sais même pas comment elle a fait, je ne savais pas qu'il y avait le réseau dans, euh, dans cette zone-là. Donc, interpellez dans vos conseils des ministres que vous faites entre vous -là avec votre, votre cyborg. Si le cyborg entend, dites au cyborg que les éléphants nous font des embuscades sur la route. Ils s'arrêtent en route, on les tamponne, ils partent dans la forêt et nous on meurt. Parce qu'il y a surpopulation d'éléphants au Gabon en ce moment. Il y a trop d'éléphants. Soit vous mettez des gardes fous en route pour que les éléphants ne traversent pas. Soit vous partez en route comme le blanc là lui quoi que c'est Tarzan comment l'appelle si c'est Lee White c'est Tarzan va parler avec tes, tes animaux que tu qui sont tes amis. Tu dis à tes animaux d'arrêter de traverser la route la nuit parce que les Gabonais circulent. Il n'y a pas les lampadaires. Il n'y a pas les lampadaires. Donc tu vas parler avec tes éléphants en brousse, tu leur dis la nuit à une certaine heure, ne traversez pas la route. Dans les virages, là où c'est trop noir. Ou bien vous laissez les gabonais dîner avec les éléphants. On dit avec eux, comment là tu dis, avec les éléphants. Les éléphants nous respectaient un moment au Gabon parce que les éléphants savaient que si on s'approche des villages là où les êtres humains sont, nous, ils vont nous manger. Donc voilà un peu ce que je voulais dire par rapport vraiment mes condoléances aux familles, tous ceux qui ont perdu des familles, les, les, les gens dans ces accidents-là, des accidents qui se sont passés dans la route entre Omboué et puis euh, Port-Gentil. Il y a beaucoup d'accidents en ce moment. Il y a trois accidents. Donc moi je vous dis, il faut, il faut trouver une solution par rapport aux animaux qui traversent la route. Donc je vous invite à parler au gouvernement parce que tu es obligé de faire la, la vitesse la nuit est la, la route c'est est, est fait pour faire la vitesse mais là l'éléphant, tu ne sais pas que tu vas rencontrer un éléphant là l'éléphant il te regarde, toi tu le regardes la voiture avance donc voilà un peu bon, le troisième sujet que je voulais aborder c'est concernant euh, on m'a envoyé des vidéos Y a des gabonets qui se réunissent en ce moment il paraît que c'est l'anniversaire d'alibongo j'ai vu certains pédégistes nai dequi ont, des... ont soufflé le gâteau sans le propriétaire de l'anniversaire il n'était pas là je di vous les gabonets ça vous ne vous, vous, vous gênez pas mvida wowo mon o sonna N'y anniversaire. Il N'y a Donc vous faites l'anniversaire. Qui était quand Ali Bongola est né Qui, qui a vu un grand Ali il était déjà grand Vous n'étiez pas là. Oh, Ali Bongo est né le 9 février. 9... C'est comme les gens disent oh Jésus est né le, 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 le 25 ou le 24 de décembre. Qui était Vous étiez là Quand on fouille bien, Ali Bongo là, doit avoir le même âge que Paul Biya, parce que quelqu'un qui a eu qui a beaucoup d'AVC comme ça, il ne peut pas avoir la cinquantaine début soixantaine. Ali Bongo, si on fouille bien, il peut avoir le même âge que Bongo, Komar, qu ou bien peut-être le même âge que Paul Biya. Ali Bongo ne peut pas avoir l'âge qu'on lui a donné là. Vous fêtez les anniversaires de quelqu'un qui n'est plus là. Ça ne vous gêne même pas. Vous fêtez l'anniversaire de quelqu'un vous ne savez même pas là où il est. Vous ne savez pas. Il ne vous parle pas. Il n'est pas la personne. Et vous allez fêter son anniversaire. Vous étiez là à sa naissance. Vous étiez là quand il est né. Quelqu'un qui a beaucoup d'actes de naissance comme ça. Il a qu'à vous, joyeux anniversaire, machin, nous sommes les... vos soldats, machin. Ils ont un anniversaire. On fait l'anniversaire de quelqu'un que tu as vu quand il est né. Il a les témoins de naissance. Qui était témoin quand lui l est né Zambéti. Les Gabonais, il y a trop de turiféraires chez nous. Toi, Mandela. Tout un pays que des turiféraires, 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 turiféraires. Oh, joyeux anniversaire, Monsieur le Président. Joyeux anniversaire. Pendant ce temps, il y a les sommets. Les sommets se passent partout. Ils ne parlent pas là-bas pour il ne part pas là-bas Parce qu'il n'existe plus. Je vous entends dire, aimons-nous vivant, Mais faites fête les anniversaires de quelqu'un qui est vivant. Mou, y a Yangre, il, mort. Abba, il est mort. Vous avez entendu, quelle est la dernière fois que vous avez entendu qu'il y a la fête à la présidence Quelle est la dernière fois Vous avez entendu que, oh, il bo -bo, y a la présidence, il y a Non, il faut arrêter ça. Personne ne sait. Et, le, et même leur truc qu'ils ont organisé là, l'anniversaire de, de, du cyborg, il n'y avait même pas beaucoup de gens. Ils étaient très peu. Ils n'étaient pas nombreux là-bas. J'ai vu les photos. Et eux, comme ils ne se gênent pas, parce que chacun veut se faire voir, montrer que nous, nous sommes bien. Les gens aussi, oh machin, je suis content. Mais son anniversaire, on va quand même voir. <laughs> si c'est lui. L'anniversaire, lui-même qui est propriétaire de l'anniversaire, il est où? Ah, il est où? Quelle est la laque la de naissance que vous allez utiliser? Quel arrondissement c'est sorti? Au lieu de faire des, des. si Vous, les PDG, si vous voulez vous montrer important, allez-y trouver bébé Rinaldi. Vous organisez des battues, vous, vous descendez un peu habitable. vous cherchez bébé Rinaldi. Là, on va vous prendre pas en considération. Faites un peu même un bon geste un jour dans vos vies. Les PDG vous ne pouvez pas faire quelque chose de bien un matin. Un matin, on se lève, on arrive, on voit, les PDG sont rendus massivement à, à Habitat, ils ont rencontré la famille, ils ont organisé des battues, des recherches dans la ville. Ça va vous donner un peu de poids. Au lieu de jouer les turiférels, Hier, c'était l'anniversaire d'Alianga que, que, que vous étiez en train de fêter tous les jours. Oh, joyeux anniversaire, Alianga, le directeur de, de DCP. Euh, euh, vous vous appelez même comment encore. Hum, euh, Alianga, Brice Lacruche, Alianga, la Lacruche, Alianga. Bli, bla, voilà, c'était Bla. Oh, Bla, Bla. Bri, maintenant, là, vous êtes revenu à Ali Bongo. Vous êtes des perdus. Hein? Je n'ai jamais vu des gens perdus comme vous. Vous êtes beaucoup perdus, vous les pédégistes aujourd'hui. Je ne savais pas que les pédagistes allaient être beaucoup perdus comme ça dans ma vie. Hein. Hier, c'était Blas. Ah, l'anniversaire de Blas dans les bas fonds. Maintenant, là, vous mettez l'anniversaire, vous coupez le gâteau. Mais lui, il est où? Il faut le nom si ça part. Voilà, lui, là, vous avez dit, oh, il est revenu à la scène internationale. Voilà l'international qui est en train de se passer partout, partout, partout. Il ne parle pas là-bas. Oh, là, il est revenu dans la scène internationale. Il fait son grand retour dans la scène internationale. Mais pars maintenant, a dit, Il a dit ça, bébé, ça se tient bientôt. Tu ne pars pas. On va aller voir sur le discours. Tout le monde sera là-bas, sauf lui. Le cyborg ne peut pas aller là-bas. Votre sosie, là, il ne peut pas arriver là-bas. C'est pourquoi j'ai dit, il faut la déclaration de la vacance du pouvoir. Et puis, on passe à autre chose. La honte, là, vous allez tenir ça jusqu'à quand Parce que nous, on, est, on ne laisse pas chaque... Chaque fois qu'il y aura un truc international, on va vous dire, Mais là, vous envoyez maintenant Billy Bibon. Billy Bibon vient de lui porter plainte. Il a escroqué 130 millions à une go. Une fille qui est jolie, je ne sais même pas ce qu'elle a cherché avec à aller à côté de Billy Bibon. Moi, je me pose un certain nombre de questions. Qu'est-ce qui se passe au Gabon On va sur le dossier de Billy Bibon de près. Mais je vous dis que euh, il n'a pas d'anniversaire. Si vous voulez, soit vous fêtez l'anniversaire de cet individu-là tous les jours, soit vous ne fêtez pas son anniversaire. Hum. Voilà. Donc, on va revenir maintenant sur le sujet pour lequel je vous ai réunis. Et merci d'être là nombreux. Vraiment, il se fait tard, mais on va essayer d'aller vite. Mes frères, moi, je vous ai réunis pour parler du Gabon. Je ne sais pas si nous prenons conscience de ce qui se passe. Hein. Est-ce que vous savez, moi je vous dis ce qui va se passer, et là les Gabonais, écoutez-moi bien, si nous, nous les Gabonais, si nous ne sommes pas capables de résoudre le problème dans lequel nous sommes en ce moment, la crise politique qu'il y a, c'est-à-dire procéder à la déclaration de la vacance du pouvoir, faire euh, soit un, un mandat de transition, un gouvernement de transition, en tout cas, Trouver le moyen de changer de président, je vous jure devant Dieu que l'extérieur, la France, en tête desquelles, ils vont se mettre ensemble pour nous imposer un homme. Un homme que vous, vous ne connaissez pas, que moi, je ne connais pas, mais ils vont nous imposer quelqu'un parce qu'ils vont estimer que nous ne sommes pas capables. Parce que quand un peuple se comporte comme des gamins, ça veut dire que ce peuple a besoin d'un maître. Quelqu'un viendra nous imposer. Quelqu'un. Ils vont venir. Je vous le dis. Pourquoi Parce que le Gabon ne nous appartient pas seulement. Nous avons signé des partenariats. Nous avons, nous sont, nous avons signé des traités à l'international. Et l'international a son mot à dire. Si on se rend compte que nos institutions sont tellement faibles, l'opposition tellement faible, le pouvoir tellement faible, la société civile tellement faible, l'international va venir nous imposer des choses. Ils vont dire c'est comme ça que vous faites et vous faites comme ça n'oubliez pas qu'il y a une armée française au Gabon, hein? ah, elle n'est pas là pour blaguer, parce que nous sommes incapables de 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 manière sérieuse de dire que voilà là où nous voulons aller, nous sommes incapables. Aujourd'hui il y a l'Union européenne et les militants qui arrivent au Gabon, qui font maintenant beaucoup de tours là, ils ont relancé le dialogue intensifié parce que L'huile est mort. C'est pourquoi le dialogue est revenu. Parce que quand Lula était vivant, le dialogue était refusé. Maintenant, comme il est, comme il est là, donc j'interpelle les Gabonais qu'il nous revient la lourde responsabilité de, de soit nous parler pour, pour comment on va, on va faire pour la suite puisque lui est mort. Comment on va se réorganiser pour que le Gabon reprenne des, des fleurs, ou bien nous allons en attirer au Gabon, parce que le Gabon, c'est un pays qui est, qui est riche en termes de ressources naturelles. Il y a des seigneurs de guerre. Vous savez qu'il y a des gens qui sont formés pour déstabiliser les pays. Et quand un pays est déstabilisé, le Gabon étant riche avec plusieurs. Euh, nous avons plusieurs ressources naturelles. Les gens vont aller les exploiter pendant que nous, on sera en train de se battre les uns, se battre contre les autres. C'est comme ça que ça se passe. On coupe le pays, les gens se battent, laisser les se battre au moins pendant un an. Pendant ce temps, les gars, ils pillent l'or, ils pillent, ils pillent le manganèse, ils pillent ce qu'ils veulent avant de trouver la paix. Moi, je vous dis, c'est vers ça qu'on part. Donc, vous êtes en train de blaguer. Je vous vois en train de dire Oh, moi, je préfère mon boulot. Je ne vais pas rentrer dans les trucs politiques. Quand ça va chauffer, hein, je viendrai vous dire Allez-y encore au boulot. Parce que pour l'instant, ça, ça ne vous fait rien. Vous vous en foutez. Oh, je ne fais pas la politique. Oh, oh je ne fais pas ça. Quand ça va chauffer, vous n'allez plus parler comme vous. Vous, allez, vous êtes en train de parler là. Vous n'allez plus parler comme ça. C'est le jour-là que vous allez chercher à m'appeler ici. Moi, je vais éteindre mon téléphone. Comme vous avez le vampire, même si le téléphone est éteint, vous allez faire sonner mon téléphone alors qu'il sera éteint. Alors, je vous le dis, moi, oh, vous mettez le vous mettez le combo, je vous ai dit à enregistrer mes vidéos. C'est pourquoi je dis que tout le monde ne semble pas avoir la solution. Personne ne semble avoir la solution de sortir de crise au Gabon. Ni la dictature qui n'a plus de dictateur, ni l'opposition qui est complètement afone, ni la société civile qui n'a pas de ressources. Personne ne semble avoir la solution de sortie de crise. Il y a un statu quo qui est là. Est-ce qu'il faut aller dialoguer dans ce, ces conditions Je pense que c'est possible. Mais qu'est-ce qui rend le dialogue difficile le dialogue est rendu difficile pour la simple et bonne raison. Déjà, numéro un, première raison, il n'y a plus de dictateur. En 1990, après plusieurs tractations, la conférence de, Beau, de euh, la, 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 réunion, la conférence de la Baule hein, et tout ce qui a suivi, on est tombé à, à la conférence nationale de 1990. Pourquoi la conférence nationale s'est bien passée Alors, la conférence nationale s'est bien passée en 1990 parce qu'à la tête de la dictature, mmh. il y avait un président de la République. Le régime qui était au pouvoir à cette époque-là avait un fonctionnement pyramidal, c'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un à la tête qu'on appelait Omar Bongo, Ondimba, Albert Bernard Bongo, là Omar Bongo, quel que soit le nom qu'on voulait donner, c'était lui qui était à la tête du, du pays. Il, il était écouté, il était craint par tous les collaborateurs qui, étaient, qui faisaient sa cour, qui constituaient la cour du, du PDG. Aujourd'hui, c'est compliqué de faire un dialogue avec ceux qui sont au pouvoir parce que le pouvoir gabonais, la dictature n'a pas un, un, un fonctionnement pyramidal où n'a plus un fonctionnement pyramidal. Ali Bongo lui-même, de son vivant, se battait pour, pour stabiliser son pouvoir. Ali Bongo n'a jamais pu stabiliser son pouvoir en dix ans, parce qu'il était incapable. Le costume présidentiel était trop grand pour lui. Euh, je m'approprie là l'expression de Feu Bobam. Alors, il n'a jamais pu, quand il était dans la plénitude de ses capacités, aujourd'hui, il est mort. Je m'entends lorsque je le dis. Et vous savez, je ne vais pas me répéter. Bon, nous avons maintenant un régime qui a un fonctionnement, une gestion qui est transversale. C'est devenu un cartel. Il y a plusieurs groupes. La preuve, c'est qu'on viole les gens en prison. Personne ne parle. Tout ce qui se passe au Gabon, personne ne parle. Parce que, en fait, Personne ne gère quoi que ce soit. Vous comprenez? Il y a des groupes qui sont autonomes à Libreville en ce moment. Moi, je vous le dis. Il y a des choses que je ne peux pas dire en, en profondeur parce que nous sommes ici, je suis en live. Mais je vous dis qu'il y a des groupes dans le pouvoir là qui n'obéissent à personne. Qui font ce, il y a des groupes qui vont comme ils veulent. Il y a d'autres groupes qui font comme ils veulent. Quelle est la personne qui peut. Prenons le cas de Sylvia Bongo Ondimba. Sylvia Bongo-Ondimba fait comme elle veut. Si Sylvia Bongo-Ondimba dit qu'elle te fout en tôle, même si Lambert Mata ou bien Corbe dit Niet, parce qu'elle n'a aucun pouvoir en ce moment dans la constitution gabonaise, elle n'a aucun pouvoir officiel, mais ils vont faire. Tu vas aller en prison. Il n'y a pas eu. Toute dictature a besoin d'avoir à sa tête un dictateur. Or, il n'y a, dictat... a plus de dictateurs au Gabon. C'est difficile de discuter ou bien d'arriver à un véritable consensus ou bien à un dialogue avec un tel groupe. Vous allez dialoguer quoi Toutes les, décisions qui vont être prises, lors de... Toutes les décisions qui vont être prises, les premiers qui vont bafouer ces décisions, ce sont les gens de la dictature. Ils seront les premiers à ne pas honorer les décisions prises. Excusez-moi, hein? ils seront les premiers à ne pas honorer les décisions, les engagements de la de, du dialogue. Ils seront les premiers. C'est pourquoi je vous invite, mes frères, je vous invite à réaliser que on ne peut pas. C'est pas qu'on ne veut pas. Moi, je vous le dis clairement. Imaginez, imaginez un seul instant, plus qu'en ce moment il y a des pourparlers avec euh, l'Union européenne. Ils sont en train de discuter sur comment sortir le Gabon de la crise. Bon, imaginons un seul instant qu'on décide d'aller à un dialogue avec euh, la dictature, un dialogue euh, entre la dictature, la société civile, euh, le, le pouvoir l'opposition, ainsi de suite, sous l'égide de la communauté internationale. Bon, le pouvoir là va parler avec qui Qui va rendre compte à qui comment Ça va être compliqué. Qu'est-ce qu'on peut obtenir là-dedans C'est difficile. C'est très difficile. Regardez un pouvoir qui met des ministres en tôle. Aujourd'hui, aucun Gabonais ne peut dire de manière certaine pourquoi les ministres sont allés en tôle. Plus grave, pendant que l'Union le, européenne est au Gabon, je dis bien, pendant que l'Union européenne est au Gabon, la dictature se permet d'aller violer des anciens ministres. On les a violés. Des. Des, 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 des cadres. On les viole. Pendant que les blancs-là sont au Gabon, hein, on les viole en prison. En prison, on viole des ministres en tôle. Pendant que l'Union européenne est en pleine négociation avec eux, ils vont les violer. Mon frère, sur l'aspect sécuritaire, vous voulez que les Gabonais aillent discuter avec la dictature. Comment voulez-vous qu'on aille discuter avec un groupe qui viole ses propres gens si vous pouvez violer vos propres gens, leur faire du mal sexuellement, aller manipuler leurs organes, bon, maintenant nous, nous, quand nous on va arriver, vous allez nous faire du mal Quelle est la garantie que vous allez vous allez respecter euh, les pour parler hum? Quelle est la garantie Ils ont tellement honte. Qu'ils ont dû changer derrière on me dit, je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas vérifié, mais on me dit qu'ils ont changé le directeur général de la prison, qu'on vient de nommer il n'y a même pas un mois. On l'a déjà enlevé. Je ne sais pas si l'information l'a avérée. Vous allez, vous allez essayer de mener vos recherches, mais si j'ai entendu des gens en parler. On ne peut pas discuter avec des gens comme ça, même si on veut. Même si nous nous disons que bon, nous allons discuter avec vous. Mais quand vous vous montrez ce genre de velléité-là à l'international, vous voulez qu'on fasse comment? Ça, 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 parce qu'il y a un problème de crédibilité. Il y a un problème de crédibilité. On ne vous sent pas. Vous qui êtes dans la, la dictature, vous n'êtes pas crédible. Comment on va violer, on va dialoguer avec vous. vous pour pas dialoguer comme ça dans ces conditions-là. Vous êtes très dangereux. Parce que vous n'avez pas violé des petits gars derrière. Ça, c'est pas. J'ai entendu des Gabonais venir me dire, mais si, tu sais, euh, les gars là, ont eux-mêmes cherché ça. Eux-mêmes, ils sont dans le projet graine. Vous savez, moi, premièrement, la sexualité des gens, je ne parle pas de ça. Je ne suis pas là pour chercher à savoir qui est homosexuel, qui est lesbienne, ça m'intéresse pas. Mais j'estime que même si quelqu'un est homo ou je ne sais pas quoi, ça ne donne le droit à personne d'aller violer ce gars en prison. Même si avant ils étaient dans des pratiques, parce que c'est c'est l'argumentaire que certaines personnes m'ont sorti, que oh, de toute façon, eux, ils étaient dans les, les, les choses du projet Graine. Oui, mais ils étaient consentants, ils étaient consentants dans leurs choses. Ça, c'est s'ils faisaient, ils se livraient à de tels, tels actes. Mais c'était de manière. Euh, euh, c'était avec un mutual agreement. Ils ils c'est comme une femme. Votre femme, c'est pas parce que vous l'avez épousée. Si vous voulez avoir une, un acte sexuel avec votre propre femme, elle doit accepter. Si elle n'est pas d'accord, vous, vous êtes en train de la violer. Ce n'est pas parce que c'est votre femme et que vous avez déjà fait quatre enfants que tu as le droit d'aller lui faire l'amour quand elle ne veut pas. Mes frères, mais quand même, on n'a pas le droit de violer quelqu'un à milieu carcéral. Juste parce qu'ils oh, étaient déjà dans le projet Green, Même s'ils étaient dans le projet Green. moi, ça ne m'intéresse pas ce qui se passe là-bas. Leur sexualité, ça ne me regarde pas. Moi, je parle de ce qui concerne le Gabon. Le Gabon, c'est notre pays à tous. C'est ça qui m'intéresse. Je m'en fous. Mais, mais je vous dis et je vous le dis, mes frères, il y a des choses que je ne peux pas tolérer. Déjà, la prison au Gabon, je trouve inhumain de mettre quelqu'un en prison au Gabon, Dans les, une prison qui est. Qui ne ressemble à rien, c'est déjà inhumain, mais au-delà de ça, vous allez les isoler. Vous partez, trois garçons rentrent. Vous demandez à quelqu'un de se déshabiller, vous bastonnez dans les parties génitales. Après, dans les, les parties intimes, vous écartez ses jambes. Vous prenez les photos, vous lui faites des choses avec ses, ses son, 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 son sphincter. Je sais pas ce que vous faites avec ça. Vous mettez des choses dedans, vous vous mettez dedans vous-même. Bon, enfin, c'est humiliant, et puis vous prenez les photos. C'est humiliant de faire ça. On ne fait pas ça à un garçon. Et vous voulez que nous, on vienne dialoguer avec vous. Mais ce n'est pas sérieux. On ne va pas dialoguer dans de telles conditions. On, nous ne nous sommes, hein, sommes pas contre un dialogue. Hein. Moi, je vous dis aujourd'hui, là, Noureddin dit que Messire, je vais te rencontrer. Je vais le rencontrer. Et je vais lui dire que Noureddin, voilà ce que moi, Nandou, je pense. Voilà ce que les Gabonais pensent. Je veux le lui dire. Après quatre ans, après quatre ans, j'estime qu'aujourd'hui, il faut que les Gabonais, les Gabonais, le Gabon doit avancer. Le Gabon doit avancer. Mais on ne peut pas avancer dans un pays où le pouvoir montre des velléités sadiques. Sadique, ça c'est vraiment au-delà même du sadisme, vous êtes devenus extrêmement dangereux. Extrêmement <laughs> dangereux. Parce que l'Union européenne, venez avec eux. C'est ce que les Blancs veulent nous emmener. Là où les Blancs qui sont là-bas veulent nous emmener, ils veulent nous emmener à un dialogue avec les, les autres là. Nos, nos frères qui sont de l'autre côté là. Bon, maintenant, moi, je pose la question aux Blancs. Parce qu'il y a des Européens qui regardent mes lives. Mes frères, même vous-même. Comment voulez-vous qu'on aille discuter avec un groupe d'individus qui viole ses propres partisans pour les punir Ils les violent sexuellement. Vous voulez qu'on discute quoi avec eux En commettant de tels actes inhumains. Donc vous voulez nous amener à, à discuter avec des gens qui violent leurs propres gens Moi, c'est la question que j'aimerais poser aux Blancs. Qui, vont nous, qui sont en train de vouloir nous dire qu'il fallait discuter avec les gars là Vous voulez qu'on discute avec eux comment Vous ne mettez aucune en, menez aucune enquête. On dit que les gars étaient cagoulés. Les gens qui leur ont fait ça, on ne sait pas s'ils sont malades. On ne sait rien. Est-ce que les gars, après les avoir violés, ils ont, on ne sait même pas si on les a soignés après est-ce qu'ils ont un suivi médical Est-ce qu'ils ont un suivi psychologique Est-ce qu'ils ont un suivi... Et les pédégistes, qu'est-ce que vous faites Vous fêtez les anniversaires de quelqu'un qui n'est plus... Qu'on ne connaît même pas là où il est. Alors que vos propres frères avec qui vous marchez, il n'y a, a même pas quatre mois, vous étiez ensemble dans des villégiatures. Vos frères sont violés en prison et vous vous êtes tenté de fêter l'anniversaire de quelqu'un que vous ne savez même pas là où il est. Voilà des gens inconscients. Vous êtes inconscients, mes frères. Vraiment, je vous le dis, sans passion, sans haine. Et, et c'est avec vous là qu'on doit reconstruire le Gabon demain. C'est vrai, il n'y a pas... Ma grand-mère disait souvent que il n'y a pas de... Tu ne verras jamais une poubelle là où on jette dans laquelle on jette l'enfant qui se comporte mal. Il n'y a pas de poubelle, tu es obligé de le supporter pour qu'il l'éduque. Il, 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 Moi, je vous qui êtes des, les, les tuliféreurs du PDG, on n'a pas de poubelle où on va vous jeter. Mais on va quand même vous dire que vous faites mal. Ce que vous faites, ce n'est pas bien, on fait pas comme ça. Vous ne pouvez pas tolérer. Parce que vous aussi qui êtes fait à des turiféraires là, j'ai vu Karine Harissani. Karine. Si toi on t'arrête, parce que tu es sur le collimateur des gars, là, moi je te le dis. Quand on va t'arrêter, Karine, moi je te dis, tu es ma belle sœur et je t'aime beaucoup. Tu es dans le collimateur. À tout moment, tu peux être arrêté. C'est Nando qui te dit ça. Je parlais comme ça à Ikea, non? Je parlais comme ça à, 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 à Farjon, la cruche à Lianga. Il est où Ikea, c'est pas eux qu'on a faire du mal là-bas. Toi aussi, je te dis, tu es au viseur. Et les gens qui vont te trahir, ce sont les gens qui sont avec toi là. Ne pense pas que parce que tu es, tu es noirâtre et qu'on qu ne te voit pas. On te voit. On te voit clair. Donc, on veut boire ma Je t'ai vu, tu as fait la fête d'Ali là. Tu as organisé une fête dans la, en route, dans, dans, dans le, en plein air, pour l'anniversaire de. Du défunt. Quand vous faites les anniversaires du défunt, vous êtes en train d'amener les Gabonais vers une mentalité où bientôt nous allons, vous allez voir les gens dans les maisons acheter les gâteaux de leurs frères qui sont morts il y a deux ans, trois ans pour fêter les anniversaires. Parce que c'est ça que vous voulez. C'est la nouvelle direction, c'est la vision, votre vision du PDG. Organiser les anniversaires des gens qui sont morts. Il n'y a pas de problème. Toutes les, tous ceux qui ont les parents qui sont décédés là, quand c'est l'anniversaire, vous achetez les gâteaux, vous allez commander les gâteaux, vous, vous allez couper les gâteaux. ce que maintenant c'est ça où le Gabon est devenu, en fait les anniversaires des, des morts. Il n'y a pas de problème. Comme s'ils étaient vivants. Joyeux anniversaire, machin. Alors que le gars est mort depuis. Il n'y a pas de problème. On va faire ça. Nous allons, nous allons faire les anniversaires. Donc moi je, je conclue en disant que euh, les gens ne sont pas contre un quelconque euh, dialogue. La difficulté, c'est que l'interlocuteur qui va représenter le pouvoir, c'est qui Plus que vous savez, et moi je sais que lui-là que vous appelez pompeusement ou bien funérairement, je ne sais pas comment dire, vous appelez Ali Bongo, il ne peut plus jamais discuter avec les gens en tête à tête. Qui va être l'interlocuteur au compte de la dictature pour bavader avec l'opposition, pour bavader avec la société civile sur comment on fait pour le Gabon Comme ça, c'était passé en 90 lors de la conférence nationale. Qui va être l'interlocuteur C'est qui L'interlocuteur va être. Parce que même en. Malgré le fait qu'Ali Bongo était puissant, nous savons ce qui s'est passé avec Renjambé, avec le défunt Renjambé. On sait, on a appris. Moi, je n'étais pas là, mais les gens disent que c'est des altercations pendant la conférence qui ont amené à, à la mort. Je dis ça, je dis rien. Chacun connaît l'histoire à sa manière. Ça, c'est parti de la conférence. Demain là. Vous allez demander aux gens de venir au Gabon pour un quelconque dialogue. Qui va assurer l'aspect sécuritaire, c'est qui? Comment? Quelle est, la, quelle est la. Comment nous, on va être sûr que vous allez respecter vos engagements dans ce sens-là? L'aspect sécuritaire. Quand vous violez les anciens ministres, vous les violez maintenant en prison. Bon. Bon, on se pose un certain nombre de questions. Moi, je veux dire en conclusion que... Le dialogue n'est pas impossible, mais c'est difficilement compliqué. C'est compliqué de dialoguer avec une dictature qui est, qui est panze panze comme ça là, qui est, qui est, qu'on ne connaît même pas qui est qui dedans. Vous allez discuter discuter quoi avec les gens là Qui est qui qui, qui gère quoi Chacun a son petit groupe vous, vous faites les guerres, machin. Ce n'est pas parce que vous ne parlez pas sur Facebook. On sait qu'il y a des problèmes en vous. Il y a des problèmes. Voilà votre Camerounais qui était aux États-Unis que vous avez chassé là. Mwanga ou Mwanga ou Mwanga. Mwanga, eh, lui là qui est au, au State. C'est lui que vous avez chassé, non Il y a un groupe du cartel qui a, qui a chassé l'enfant là. Il est mené aux États-Unis, il ne parle même plus. Il parlait qu'il avait refait son passeport camerounais. Il était à l'ambassade il n'y a pas longtemps pour refaire son passeport camerounais. Bon, vous l'avez chassé. Il y a d'autres étrangers là aussi qu'il faut chasser. Demain, c'est Shadim Moukarim que vous allez chasser. Bon, c'est compliqué. Moi, je vous dis que c'est grave. Donc, moi, euh, je vous dis, mes frères, déclarer la vacance du pouvoir et on passe à autre chose. déclarer la vacance du pouvoir. Nous, nous sommes fatigués de vous. Sommes fatigués. On veut la vacance du pouvoir. J'en ai terminé. Que Dieu protège le Gabon. Merci de m'avoir écouté. Bye bye.